bonjour à tous les amis dans cette nouvelle vidéo Vélotaf. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque voilà, il y a une voix off, c'est pas forcément mon habitude, mais là je trouvais intéressant de faire une petite intervention avant de voir les images. On se trouve dans une période de confinement où tout le monde essaie de limiter ses déplacements. Ce dimanche-là, j'étais en sortie d'une heure, celle qui est autorisée, faire un déplacement un peu sportif. Et il se trouve que malgré cette nécessité de confinement, on retrouve beaucoup d'incivilité et finalement en proportion beaucoup plus que d'habitude. Alors je pense que les pénibles sont de sortie et ils restent de sortie quoi qu'il arrive. Et donc aujourd'hui, on se retrouve maille à partir avec un pilote de scooter. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo avec un gars qui me demandait d'aller vivre en Suisse. Je vous la mets en rappel au-dessus. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui clame sa responsabilité de faire n'importe quoi. Très bien, il a juste un gamin juste derrière lui, hein, donc il lui montre vraiment l'exemple, c'est sympa. Donc outre le fait d'utiliser sa vélo et de me mettre en danger en ne respectant pas les distances de sécurité, il va tout simplement couper la route à la voiture qui est juste à côté de lui. Autant dire que ce genre de comportement, c'est difficile de l'accepter, même si la personne assumait pleinement son incivilité. Et je trouve d'ailleurs assez désolant de voir des gens qui ont de tels propos. Alors est-ce pour se défendre d'une fois qui a été pris sur le fait, je ne sais pas, mais en tout cas, cette situation, on la retrouve de plus en plus souvent et je souhaite vraiment que les forces de police interviennent, parce que là, ça devient juste n'importe quoi. Ça se vélo. Ouais. Bah, c'est pas pour les mobilettes. Hein. Il va se passer que si je tourne à droite, vous me gênez. Ouais. Non, mais vous n'allez pas être là. 4 points, 135 euros. Si, parce qu'avec l'habitude, en fait, un jour, vous allez vous mettre.